Pardon. Ah voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon ben nous allons sans plus tarder commencer cette conférence. Alors tout d'abord, je tenais surtout à revenir sur un élément important, parce que le jeu Shenmue 3 est quand même né de la plateforme Kickstarter. C'est cette plateforme qui a permis justement de pouvoir amener ce projet jusqu'à nous aujourd'hui. Et donc je voulais rappeler en fait que le jeu avait quand même eu deux records via la plateforme Kickstarter. Le premier, en fait, c'est le jeu qui a reçu $1 million le plus rapidement via cette plateforme. Alors, en 1h40 seulement, il a détrôné tous les records. Et surtout, le deuxième record, c'est celui du jeu le plus financé sur Kickstarter. Donc je pense quand même qu'on peut applaudir, parce que c'est quand même une belle performance. Thank you. Et donc en fait, je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez pensé de cette campagne Kickstarter? Quels sont les souvenirs que vous en gardez aujourd'hui? トリコとかその FF7 がキックスタシェルより先に発表になって、すごいこう地鳴りのような音が聞こえてきたんですね、歓声が。Quand on a eu l'annonce de Toriko et puis de FF7, mon ressentiment c'était il y avait comme dans la foule une sorte de grondement profond.で、シェムの方が大丈夫かなってちょっと心配してたんですけど、シェムの音楽の方だったら、ゴーっていう音じゃなくて、悲鳴みたいな、ファーってギャーっていう声が聞こえてきて、その時にこう、ふわーっと汗が出ました。Et puis j'étais inquiet, je me suis dit, est-ce que quand ça sera chez nous, est-ce que ça va bien se passer? Et puis finalement, quand la musique a commencé à passer, ce grondement s'est transformé en cri de joie. Et c'est à ce moment-là que j'étais genre, oh, j'étais super surpris. Et j'ai des tonnes de transpiration qui sortent d'un coup. Il y avait même des gens qui pleuraient. Et puis je veux dire que c'est une scène qui m'a beaucoup ému. C'était vraiment une étape importante pour le projet Shenmue 3, parce que sans ce Kickstarter, il n'aurait peut-être pas vu le jour. Et d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, après cette phase Kickstarter, nous sommes aujourd'hui au Magic Monaco pour présenter une nouvelle fois le jeu. Et je voulais savoir, ça fait plusieurs fois maintenant que vous participez au Magic Monaco, qu'est-ce qui, selon vous, rend cet événement si spécial ? モナコで開催されてるっていうことも特別だし、そのかなりプレミア感があると思ってます。でゲームがゲームショーっていうのは大体カンファレンスとかエキシビションが中心だったりするんだけど、とても多様性があって特徴があって、こういうショーがたくさん増えてくれるとすごくいいなと。Rien que l'endroit, Monaco, c'est un endroit assez particulier, je pense qu'on peut le dire. Mais aussi, je le sens comme c'était quelque chose d'un peu premium comme ça. Et surtout le fait que ce genre d'événement, celui-là en particulier, est assez spécifique. Et comme c'est très axé sur certaines choses, je pense que ça ouvre vraiment quelque chose pour le public. Et j'espère qu'on pourra avoir à droite à gauche plus d'événements dans ce genre. D'accord, très bien. Et qui dit Magic Monaco dit forcément Cédric Biscay, parce que c'est grâce à lui que cet événement a été organisé. Et alors, on sait que vous êtes tous les deux des amateurs de vin. Ça a été dit maintes et maintes fois. Et en fait, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à cette collaboration aujourd'hui pour Shenmue 3? Quel a été l'élément déclencheur? セドリックと会ったきっかけがあまり思い出せないです。ただ日本の文化、ゲームとか漫画とかを海外の方に
積極的に紹介してくれたり、プロモートしてくれたり、とてもセドリックには感謝しています。Alors, je ne me souviens pas exactement les circonstances de comment on s'est rencontrés, mais le fait qu'il, lui, en tant qu'individu, montre au monde la culture japonaise, les jeux vidéo, je lui suis très reconnaissant pour ce genre de choses. セドリックも僕も二人ともちょっとワインが好きで、で仕事の話半分とか、あとワインの話ばかりしてたりして、で日本の文化や海外の文化やゲームの話とかワインの話とか、こうやってこういう仕事を進めていくにあたって、ただの飲んでみたいなっていうかね、飲みながらワインがだいぶいろんなことを助けてくれました。Alors oui, les deux en fait, on est des grands amateurs de vin. Et puis si on analyse nos conversations, en fait, c'est à moitié nos projets, les jeux vidéo, etc. Et l'autre moitié, c'est entièrement du vin. Alors quand je vous dis ça, j'ai peut-être l'air d'un ivrogne, mais en fin de compte, c'est un peu la chose qui aide à notre relation. D'accord, merci. Au moins les choses sont plus claires ainsi. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Mais avant ça, j'ai quand même une dernière question qui est quand même importante. Il y a deux décennies maintenant qui se sont écoulées, pratiquement 18 ans pour être précis, entre la sortie de Shenmue 2 et la sortie de Shenmue 3. Et les joueurs sont toujours là pour vous soutenir, ils n'ont jamais faibli, ils ont toujours été là pour apporter leur soutien. Que ressentez-vous à ce sujet ?18年間ずっと変わらずこんだけ多くのファンの方に支えられて応援してもらえるゲームってなかなかないと思うんですよ。ですからシェンムー3がこうやってプロジェクトがスタートしたり実現できてるのはもうファンの方の力一重にそういう感じですね。ファンの人の力がなかったらシェンムー3は始まることがまずなかったと思いますね。Je pense que c'est pas partout, c'est pas souvent qu'on peut dire qu'une série, un jeu a été soutenu pendant 18 longues années. Et je pense pas que je mâche mes mots quand je dis que ça aurait pas été possible sans ce soutien constant toutes ces longues années. Et j'aimerais remercier tout le monde pour ça. Ben voilà, moi aussi en tout cas, je dis de la part de M. Yusuzuki, merci à vous. La mine de rien, sans vous, on ne serait pas là ici aujourd'hui. Donc merci à vous. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec cette prochaine question. Contrairement au développement des deux premiers du premier Shenmue, voire même de Shenmue 2, vous aviez utilisé un moteur maison, vous avez opté pour le Unreal Engine 4 pour le développement de Shenmue 3. Maintenant que le développement du jeu est quasiment terminé, qu'est-ce que vous en avez globalement pensé de ce moteur ?昔とはエンジンも違うし開発体制も違うので作り方がものずっと変わってくるんですね。Ben, par rapport à avant, la manière de faire est complètement différente. C'est pas juste le moteur, c'est la manière de procéder dans la construction d'un jeu vidéo qui est différente. ですから新しいエンジンの能力をどこまで引き出すか。得意な点をどこまで表現するかっていうことがとても大事になってくるんです。Et ce qui est plus important, c'est à quel point on arrive à utiliser bien, soutirer l'énergie à ce moteur et à quel point on peut pousser les détails grâce à ça. ですからやっとアンリアルのその使い方に慣れてきて、で能力も引き出せるようになってきて、だんだん最初の思いの
こういうジェムが作りたいということに近づいてきました。Et petit à petit, on a réussi à apprivoiser ce moteur. Et je pense que, avec cette expérience qu'on a acquise, on arrive petit à petit à se rapprocher de l'image de ce nouveau cheminot que j'imaginais. D'accord, très bien. Donc on peut dire concrètement qu'au fil du temps, avec l'utilisation du Unreal Engine 4, il a réussi à s'approcher le plus possible de l'image de cheminot qu'il avait en tête. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Alors, qui dit Shenmue dit NPC, parce qu'il y en avait quand même énormément dans les deux premiers. Je voulais savoir, dans le Shenmue 3, il y a plusieurs villes, et la deuxième de Shenmue 3 se nomme Chobu. Mm-hmm. Alors, à la base, il va y avoir une cinquantaine de NPC prévus, et je voulais savoir qu'en est-il aujourd'hui. そうですね、キックスターターの時にゴールを最初に2ミリオンダラーにしてたんですね。ですからストレッチゴールといって2ミリオンの時と4ミリオンの時とか5ミリオンの時ってその集まったバジェットに応じて何をやるかっていう企画がスケーラブルになってたんですね。Le truc c'est que lors du Kickstarter, on avait mis des paliers. Alors on avait genre quand c'était à 2 millions, quand c'était à 4 millions. Et en gros, le développement était sur une lancée selon le budget qui allait être rassemblé. Donc, NPC a 50 personnes, c'est un projet qui était prévu. Donc, mais on a continué à faire. Et maintenant, on a juste au total de 400 から500ぐらいになってしまいました。Et donc, bien sûr, sur cette échelle, il y avait forcément une étape de Z, on est à peu près 50 PNJ. Sauf que si on prend maintenant le village de Chobu, le village de Hakka, enfin Hakka 100, on se retrouve de 480 à 500 PNJ. Ah oui, ça représente quand même 10 fois ce qui avait été annoncé au départ, c'est quand même c'est énorme. C'est vraiment très très bien. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant en fait. Là, je suis très impressionné. Shenmue no 1 とか2も大体400から500の間だと思いますからちょうど Shenmue らしい数字になったんじゃないかなと思います。Dans Shenmue 1 et 2, il y avait aussi dans ces eaux-là 400-500. Alors je pense que on s'est rapproché d'un chiffre très Shenmue-esque. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, je pense que ça plaira à tout le monde de savoir qu'il va en avoir autant. Alors, dans Shenmue, on pouvait faire beaucoup de choses, acheter des objets, etc. Et là, en fait, dans Shenmue 3, il y a un nouveau système qui a été mis en avant, c'est le fameux système de pêche, sur lequel on ne sait pas encore énormément de choses. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? シェンムの中にアルバイトが何個かちょっと用意されています。 Donc vous le savez, dans シェンム il y a des petits boulots。 ですからちょっと釣りに行く前にちょっと薪割りっていうのがありましてですね、薪割りが一番アルバイトの基本になると思います。 Avant d'aller à la pêche, il y a un peu, enfin on doit, parce que ce par quoi on va passer, c'est couper du bois. C'est un peu la première étape. で、巻き割りを覚えたら、次のステップでちょっと釣りあたりがちょうどいいんじゃないかなと思います。Une fois qu'on a appris à couper du bois correctement, je pense que la prochaine étape qui se calera bien, ce sera la pêche. 釣りは、釣り具屋さんっていうのがありまして、で釣り具屋で釣り竿、ロッドとルアーをレンタルします。で、まあ、なんかこう、高い釣りやってたの方がちょっといいの釣れたりするかもしれないですが、それでレンタルして、こう、釣りの場所を探すんですね、自分で探して、で釣りの場所に行ったら、その場所でこうキャスティングしてみて。
Alors en fait, au sein du jeu, il y aura des magasins de pêche. Et on pourra louer en fait des cannes à pêche et puis des appâts. Et bien sûr, il y a certains appâts et certaines cannes à pêche qui coûtent un peu plus cher à louer, qui vous aideront à pêcher un peu mieux. Et à partir de là, vous allez partir à la recherche des points de pêche, ils sont sympas. Vous allez à droite à gauche et puis essayer de pêcher et de boire ce que vous voulez. Et ensuite, vous pourrez revendre les poissons chez le poissonnier. あと釣りの場合は時々イベントなんかが釣り大会なんかがあったりしますから、そこで、いい成績を出せれば、ちょっとなんか嬉しいものもらえたりします。Il y aura aussi des événements et dans les événements il y aura par exemple un concours de pêche et le fait d'avoir de bonnes notes, enfin de bien se débrouiller lors du concours de pêche permettra de gagner des trucs assez cool. Donc ça rajoute quand même pas mal de fonctionnalités qui n'existaient pas dans les précédents chez nous. C'est plutôt pas mal, c'est assez inédit même ça. Alors une autre partie de chez nous qui est assez importante et l'un des thèmes principaux d'ailleurs de cette saga, c'est bien évidemment les arts martiaux. Et dans un premier temps, je voulais vous demander quels sont les arts martiaux qui vous ont le plus inspiré pour la saga chez nous. インスピレーションを得たって言ってもね、やっぱりバーチャファイター作ってますから、バーチャファイター、シェム1と2の時は、バーチャファイターのエンジンを使ってたんですけども、シェム3ではバーチャファイターのエンジンを使わないで、最初からバトルのエンジンを全部スクラッチから作ったんです。 Alors, pour sur la respiration, je pense que c'est surtout Virtua Fighter, tout ce que ça implique. Et pour le 1 et le 2, on utilisait pour les combats les moteurs de combat de Virtua Fighter. Sauf que pour le 3, on l'a construit de zéro. Et. Ato. Virtua Fighter 1, Shenmue no 続編 desu kara. Et comme Shenmue 3 est quand même une suite de Shenmue 1 et 2, on va pouvoir utiliser au sein de ça les différentes attaques qu'on avait apprises lors des opus précédents. D'accord, et d'ailleurs à ce sujet, il me semble qu'aujourd'hui, vous avez amené une image plutôt particulière pour illustrer ce nouveau système de combat. そんなに特別じゃないんですけども、ちょっとバトルのシステムをご説明できるようになんかちょっと用意しました。 Alors, en fait, bon, c'est pas une image si spéciale, mais il a pris un petit screenshot pour nous expliquer comment fonctionne le système de combat. D'accord, très bien. C'est un screenshot qu'il a fait genre, juste tout à l'heure. このままでも大丈夫ですね。今、リョウが左の方に出ていて、Il y a Liu qui est du côté gauche pour l'instant. 真ん中にちょっと敵が出ています. Puis un ennemi au milieu. で、右下のなんかこう丸いマーク. Et puis en bas à droite, vous voyez une petite icône ronde, ça c'est les points de vie. Et à gauche, c'est la vie de Ryo. Il y a à peu près 10 boules là pour l'instant. Et à force de s'entraîner, on a un peu plus de boules et puis on devient un peu plus résistant.
横にトルネードキックって書いてあるんですけど、上に書いてあるトルネードキックな。で、ね、今回バトルの好きな方はちょっと遊もちろん遊んでいただけるんですけども、バトル簡単にバトルを遊びたい人のために、初心者の方のために短縮コマンドって言って、ちゃんとしたコマンドを打たなくても簡単に技が出せるようなシステムを。Alors, bien sûr, les fans de Combat d'Arcade vont aimer ce système, mais on a créé quelque chose d'autre pour les personnes qui sont un peu moins confortables dans ce domaine. C'est un système de techniques plus courtes. Et en fait, avec un bouton, on va pouvoir utiliser certaines techniques. Vous voyez, c'est écrit AT au-dessus de ton Tornado Kick, et puis c'est l'abréviation pour automatique. En fait, le système va automatiquement choisir 5 premières techniques particulièrement efficaces. Vous avez appris, parce que vous pourrez apprendre des techniques tout au cours du jeu, et vous pourrez les utiliser avec un coup de gâchette. Et pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées dans les jeux de combat, il y aura un mode MT pour Manual Transmission, et vous pourrez non seulement mettre les techniques directement, mais vous pourrez aussi vous former un deck de différentes techniques que vous aurez apprises, que vous pourrez relâcher au cours du combat. Au début, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous appuyez juste tous les boutons comme ça, et à force de gagner des niveaux, vous allez commencer à devenir plus fort et à gagner des combats. Là, le screenshot que j'ai fait a une particularité. En fait, à mesure que vous gagnez des niveaux, vous allez finir par atteindre un titre. C'est le titre de maître, Master, qui est écrit juste là. Et le fait que vous voyez ça juste là, c'est-à-dire que vous êtes entraîné assez pour arriver à ce niveau. トルネードキックっていうのはバーチャファイアそのジェムのワンからトムに教わって持ってきた技なので、そういった技も訓練できるようになってますし、3の中でいろんな技を手に入れて、それで鍛えることができるようになってます。 C'est une technique qu'on apprend de Tom lors de Shenmue 1, et bien sûr on pourra aussi apprendre là-dedanset on pourra les apprendre les unes après les autres et puis les entraîner petit à petit pour atteindre ce statut. Dans la grosse boule que vous voyez là-bas, en fait vous voyez pas très clairement un personnage qui prend une certaine pose. En fait, ça nous donne un indice sur quel genre de technique c'est. Donc, Shenmue n'est pas juste un jeu de combat, mais un jeu où il y a différents cycles d'utilisateurs et qui parfois se retrouvent à combat et vous permettent d'évoluer au sein de le monde vivant. Ouais.
Voilà, c'est tout là-dessus pour le moment. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Yes. Ça rajoute quand même pas mal de fonctionnalités, puisque tout ce qui est masterisation des coups et pouvoir passer en mode auto en mode manuel n'existait pas dans les précédents plus. Et je trouve ça vraiment très bien qu'on puisse justement mélanger ce qui a été fait avant et ce qui a été fait aujourd'hui. Alors on va changer un petit peu de thème maintenant, on va partir du côté de la musique, qui est quand même un thème aussi important dans chez nous. Vous attachez une importance toute particulière à la musique. D'ailleurs, la création du scénario de chez nous a débuté avec les musiques. Et je voulais savoir quel type d'instruments ont été utilisés pour la conception des musiques de chez nous en général, et surtout sur un plan un peu plus personnel, quels sont les goûts de M. Suzuki en termes d'instruments ?音楽はもともとシェンムーで、まずシェンムーで大事なのは中国の古い楽器を使って中国らしさを出そうとしました。Un truc important dans chez nous, c'est que j'ai essayé d'utiliser des anciens instruments de musique chinois dans le jeu pour donner cette air de chez nous. 胡弓っていう、その二胡っていう楽器があって。中国らしくてその音がつながってすごく人間の声の音域に近い音が出てすごく優しい音が出るので中国の呼吸ニコっていう楽器がすごく好きです。C'est un instrument que j'adore qui s'appelle Nico et en fait c'est très proche en matière sonore de la voix humaine et c'est très doux à entendre et j'aime beaucoup cet instrument. あと音楽については私の両親が両方その音楽の先生だったんですね。ピアノだったりして。Et en fait, à propos de la musique, mes deux parents étaient en fait professeurs de musique. それで、小さい頃からクラシックをやれって言われて、嫌でロックに走りました。Et depuis tout petit, il me disait de faire le classique. Mais je voulais pas, j'en avais marre, du coup j'ai commencé à faire du rock. ですから、個人的に好きなのは、やっぱりロックとか、僕の時代だと、例えばバンヘレンとか、そういったディープパープルなんかも聴いてるし、だからね、今のヘビメタとか、ああいう、個人的にはロックが好きですね。Ouais, personnellement, c'est plutôt, mes goûts, c'est plutôt du rock alors maintenant. Genre Van Halen, Deep Purple, ou mon époque, c'est quelque chose que j'écoute toujours aujourd'hui. D'accord, bon, bah, même en matière de musique, vous avez quand même de bons goûts, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Alors, je me posais la question, mais chez nous, le premier chez nous se déroule au Japon. Le deuxième et le troisième se dérouleront en Chine. Est-ce qu'on peut espérer un chez nous 4 en France? なんかスピンアウトストーリーを考えた方がいいかもしれないですけど。私どうやってスピンアウト、スピンアウト。フランスバージョンを考えないといけないです。Je veux vraiment avoir français une version française. Bon, c'était une question un peu à laquelle je m'attendais un peu à ce type de réponse, mais cette histoire va pouvoir apporter touche du bois à cette conférence quand même. Alors restons un petit peu plus sérieux avec la question suivante. Dans Shenmue et Shenmue 2, Ryo avait la possibilité de stocker des objets achetés, donc en mini ou alors des mini-prix qu'il avait gagnés par exemple via les mini-jeux. En fait, on a su récemment que dans Shenmue 3, il y aura un système d'inventaire, donc Ryo pourrait stocker des boissons, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce système ? そうですね、昔シェンムー1の時に安倍商店みたいなのがあって、それでおばあちゃんとすごくこう会話をしたり、非
非常にこう密な会話をしてそこも向きのある会話がたくさんできたんですが今回の CM3 では、そういったその深い会話っていうのは少し少なくなっている。Dans les premiers, on se retrouvait avec ces petites boutiques, on avait des conversations très profondes avec les vendeurs, la vendeuse, etc. Et la différence, c'est que dans l'E3, il y aura des conversations, mais un peu moins profondes. Et その代わり、1-2 と比べて、お店の数がそのすごく増えてます。En contrepartie, par rapport à 1 ou 2, il y aura beaucoup, beaucoup plus de boutiques. アイテムも1-2 と比べると、ちょっとびっくりするほど増えて。Et si on parle du nombre d'objets différents par rapport à 1 et 2, c'est pas comparable, mais beaucoup plus. Et il y a plein d'objets différents, mais le prix va en plus changer selon la boutique. 今回は、食べないと走れなくなったり、そういうことがあるので、食べ物をどこのお店が安いかとか、いろいろ考えながら買い物したり、っていうことをやっていかないといけなくなるので、買い物システムなんかはワンツーよりもだいぶちょっと拡張されていると思います。Il y a une mécanique de faim où par exemple si on a très faim, on peut plus courir parce qu'on a plus d'endurance. Alors ça deviendra assez important de se souvenir de « Ah, il y a ça qui est vendu pas cher à cette boutique-là » et de bien réfléchir quand on fait ses courses. D'accord, donc contrairement aux deux premiers épisodes où Rio en fait ne faisait pratiquement que stocker des objets, c'était un peu une collection, là on peut dire que dans Shenmue 3, il y aura vraiment une utilité à travers cet inventaire et pouvoir utiliser les objets dans certaines situations bien précises. Oui, effectivement, c'est bien ça, ça va être important. D'accord, très bien. Je souhaiterais revenir sur l'un des sujets qu'on a déjà abordé, celui des NPC, à savoir qu'il va en avoir énormément dans Shenmue 3. Vous attachez une importance particulière à ces NPC, puisque, par exemple, dans les premiers Shenmue, chaque NPC menait sa propre vie, que ce soit Yokosuka, Opor, etc. Donc, chaque NPC menait sa propre vie, comme bon lui semblait, aller au travail, rentrer chez lui, etc. Est-ce que vous auriez une histoire à nous raconter par rapport aux NPC qui seront dans Shenmue 3 ? Je vais vous parler un peu des personnages dans Shenmue. Comme d'habitude, j'ai porté beaucoup d'importance aux personnages. Alors, il y aura des vieilles dames, des vieux monsieur, des enfants, et ils ont tous des caractères, des personnalités avec beaucoup de points. Ceux qui ont une particularité physique, par exemple, je leur donne aussi des particularités, leur mental, des manières de penser, et aussi une particularité vocale, pour qu'on puisse s'en souvenir longtemps. Je vais vous montrer enfin, des personnages de l'époque. これとかはちょっと敵
出てくる敵になりますけども。三年にでラレジオンジョブ。結構気に入ってますこの。サンプレゼント。これはまあ皆さんの前に前からちょっと出てるキャラクターですが、ちょっと可愛らしく。そのキャラクターのミニオンキャラクターの。一応髪型なんかが中国らしいんですけど、トラディショナルな中国の結び方じゃなくて、ちょっとモダンな髪の毛の結び方。Vous voyez ces choses sont attachées de manière pas traditionnellement chinoise, mais plutôt moderne. ちょっと日本風ですけども、こういったちょっとこう面白いイベントが用意されてますね。Ça c'est un peu à la japonaise, des événements assez divertissants qui sont prévus. Pas trop de personnages là. こんな感じでちょっとキャラクター、こういう感じのキャラクターが結構用意されてます。Donc comme les derniers personnages que vous avez vus, il y a une certaine diversité de personnages.Dire concrètement aujourd'hui, ce qu'on peut en retenir, c'est que le système de combat de Shenmue a évolué. Donc on pourra maintenant pouvoir maîtriser des techniques, pouvoir mélanger des techniques qui avaient été utilisées dans les précédents épisodes avec celui de Shenmue 3. Le nombre de NPC a augmenté de quasiment 10 fois ce qui avait été prévu à l'origine. Et on a pu en savoir un petit peu sur le système de pêche et ce fameux système d'inventaire qui sera utilisé dans le jeu.C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et alors avant de terminer cette conférence, je tenais à passer un message un peu plus personnel. Alors, c'est quelque chose que j'ai décidé en fait de faire pour remercier, dans un premier temps, toutes les communautés de Shenmue. Alors,Je pense que je vais peut-être en oublier, mais pour en citer quelques-unes, alors je souhaiterais remercier Shenmue Master, Shenmue Dojo, Shenmue 500K, Shenmue Forever, Team You, toutes les personnes qui gèrent un blog sur Internet, qui ont pu aider à promouvoir Shenmue jusqu'à présent, qui se sont données à 300% pour que le jeu puisse continuer à vivre. Et c'est en partie aussi grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà, déjà je tenais à vous remercier.Dans un premier temps. Ensuite, je tenais aussi à remercier Shibuya Production ainsi que Deep Silver parce que sans eux, le jeu n'existerait pas non plus et on ne serait pas là aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, pour terminer, le plus grand merci que je puisse dire aujourd'hui, c'est merci à Yu Suzuki de nous faire voyager à travers son œuvre. Ça fait 18 ans, 18 années se sont écoulées entre le 2 et le 3.Mais il est toujours là, toujours présent pour nous, pour pouvoir développer le jeu aujourd'hui. Et voilà, je pense que... Et voilà, enfin, je tenais vraiment à vous remercier. Et je vais savoir, est-ce que vous également, vous auriez un message à passer à tout le monde. また今回モナコに来ることができて、また皆さんと会えたことはすごく嬉しく思ってます。Ça me fait très plaisir de revenir à Monaco et de vous voir tous. Crazy Time が Cédric とあると思うんですけど、そこようにしばらくシェンムーの情報を出してなかったんですけど、今回に向けて新しいトレーラーを持ってきたので、今じゃないんですけど、Crazy Time の時に公開しようと思っているので、皆さんぜひご覧になって。Alors en fait, j'ai ramené aujourd'hui un trailer et je ne vais pas vous montrer maintenant, mais un peu plus tard, avec Cédric, on a un truc qui s'appelle la Shibuya Crazy Time et il va passer à ce moment-là. On va vous remercier.Thank you.
vous ne soyez pas que pour Shibuya Crazy Time, il y aura le tout nouveau trailer qui sera présenté. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Et ensuite, bah, surtout, n'oubliez pas que le jeu sort le 27 août prochain sur PlayStation 4 et sur PC. Et puis voilà, bah, surtout, un grand merci à vous d'être venus aujourd'hui. Et voilà, vraiment, un grand merci à vous. Merci David.